Bonjour ou bonsoir à tous, je viens alors aujourd'hui vous présenter le Husband X4 Upgraded. Donc c'est la version améliorée du premier X4 qui est sorti précédemment. J'ai reçu ce mini drone de la part de Banggood.com pour un test et pour vous faire partager mes impressions. Donc tout d'abord, pour commencer ce mini drone, fait une forte impression. J'ai déjà testé des mini drones, on va dire sans marque, qui n'avaient pas la qualité de fabrication et de contrôle aussi de ce mini drone. Il est vraiment excellent pour s'entraîner à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui change sur ce mini drone? Dans un premier temps, il y a 4 LED qui ont été ajoutées. Alors, je vais vous montrer ça en branchant la batterie. Comme vous voyez, il y a 4 LED, 2 blanches et 2 bleues à l'arrière. Et deux petites LED qui font un peu des petits yeux avec le signe tribal, tout simplement. Qu'est-ce qui a été aussi ajouté? Des petits pads ici pour l'atterrissage. Ils sont en gomme assez molle en fait, et quand vous atterrissez en catastrophe, ça amortit un peu le choc quand même. Qu'est-ce qui a été amélioré aussi? Donc avant, l'ancien Husband, il avait 30 mètres de portée. Cette fois-ci, avec celui-ci, on a 100 mètres de portée. Vous pourrez noter aussi que on a un protecteur d'hélice qui est fourni avec, donc on a moins de chances de casser les 4 hélices. Cependant, quand même, à l'achat, je conseille quand même d'acheter des hélices de rechange ainsi que une ou deux batteries en plus. En fait, l'autonomie étant d'environ, allez, je dis 10 minutes environ, ce qui est déjà franchement pas mal. On peut faire des petits loopings qui sont déjà pré-programmés en fait. Et on peut le faire depuis la manette, c'est vraiment vraiment très bien. Et donc on a aussi deux modes sur la manette que je vais vous montrer. Alors voici la radio de contrôle. Bon, vous voyez qu'ici mon chat il a bouffé, la manette, donc c'est un peu abîmé, c'est vraiment dommage. Ça réduit un peu la qualité de contrôle pour le drone. Mais alors, de toute façon, ce qui est important, c'est le contrôle. Donc là, moi, je suis en mode 2. Les gaz se font ici. Quand vous entendez le petit bip, ça, c'est pour calibrer la radio avec le mini drone. Vous avez le bouton on-off ici. Voilà, je l'éteins et je rallume. Ici, ça, c'est pour régler les triggers, en fait, pour ajuster les contrôles. Si votre drone part trop à gauche, à droite, s'il met trop les gaz ou ainsi de suite, il faut tout régler par ici. Et vous avez toutes les petites jauges ici sur l'écran LCD en fait, sur le mini écran LCD. Donc comme je vous disais, pour faire des petits loopings, vous appuyez une fois ici et une fois dans la direction souhaitée. Voilà. Comme ceci. Et pour donc vous avez un mode débutant qui est déjà par défaut, et hop, si vous appuyez une deuxième fois, un mode expert. Donc là, le drone devient beaucoup beaucoup plus réactif en fait. Donc là, il faut être un peu plus habile, un peu plus réactif aussi de son côté pour pouvoir contrôler le drone. Donc on continue avec le mini drone. Donc alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais devant on a une mini caméra de 2 mégapixels dite HD 720p. Ensuite, à l'arrière, vous avez le logement pour la batterie. Alors, vous avez le logement pour la batterie. Juste en dessous de la batterie, vous avez le logement pour la carte SD. Et ici sur le côté, le bouton pour démarrer l'enregistrement sur la carte micro SD.
Un micro SD, pas SD, bien sûr. Donc voilà. On va faire un petit décollage. On va filmer un petit peu en vol pour vous montrer comment il se pilote. Je le mets en marche. Il est calibré. Et on va s'apprêter à décoller. À tout de suite. Nous voici en mode débutant pour commencer. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Mais rien de bien sorti comme tous les drones. Vous voyez, là je suis en mode débutant et ça va déjà pas mal. Hop, je vais essayer de le rapprocher le plus possible. Voilà. C'est vraiment très très simple à prendre en main. Vraiment. Et là, hop, je vais faire un petit looping. Hop, vraiment très très simple. Je passe en mode expert, parce que bon, en mode débutant c'est bien, mais en mode expert, c'est encore mieux. Voilà. On va faire des petits loopings. Là comme il fait très froid, je pense que je vais pas avoir énormément de batterie pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, mais bon, je vais pouvoir un petit peu sur différentes vidéos, j'imagine, ce qu'on peut faire avec.